Et il y a des ZAD. Et il y a les ZAD à focus dès qu'un groupe sort de la cage. Et c'est les ZAD prio, évidemment. C'est surtout un gros travail des distants, les ZAD. Parce que les CAC, des fois, bon. Bah, surtout quand ils sont au CAC, en fait, ils font plein de dégâts. Hein. Ils nous font vraiment super mal. Hein. Et il y a une note pour la rota heal aussi, les gars. Du coup, des questions de ceux qui l'avaient pas tué? Non. Ok. Est-ce que ça... Oui, ça marche. Tu peux le foutre, du coup, dès que je dis à un groupe de sortir sous... Attends, il pop-pousse, saloperie, sous Bellac. Ouais, tu peux le foutre sous Bellac dès que je dis à un groupe de sortir. Ouais. 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 Dès que je dis sortez de la cage, tu peux balancer ton piège. Je rappelle, les personnes qui sont dispel, elles vont sur les côtés. Ouais. Et les personnes qui ont les peines calcifiées essayent de se rapprocher le plus possible du rouge, marque rouge. Et les healers, je rappelle pour tout le monde aussi, c'est 2 secondes le dispel, hein. Pas plus tôt, pas plus tard. Et si les gens n'ont pas bougé au bout de 2 secondes, bah c'est de leur faute. Mais si vous dispellez trop tôt, c'est pas de leur faute. Chaudron, je l'ai dit, il est derrière. Oui, t'inquiète pas. T'inquiète, t'inquiète. Si vous avez des cursives, la politesse. Faites le dispel à 9. Ça marche pas mal. Ah oui, c'est vrai, c'est posé comme ça. Du coup, tout le monde était prêt, donc on va pouvoir y aller. Je rappelle, on commence sur Bellac. Hein. Les CAC, on a toujours les kicks à faire. Il n'y a pas vraiment de rota kick. De toute façon, on est largement assez. On peut pas en manquer un. Hein. Donc, DBM pull. BL. On n'a pas de BL. Très bien. Ah. Ah putain. Ah, c'est vrai. Du coup, j'ai mis des drones. Nice.